nouvelle, Vicky? Hey, vous avez eu une promotion? Non, c'est que j'avais besoin d'un pupitre, puis notre directrice du personnel m'a prêté son bureau. Ça vous dérange pas, monsieur? Oh, non. Moi, je viens pour mon frère, Momo. Ah, pour Momo? Ouais, bien, vous savez, mon petit frère, lui, c'est un gars qui est bien timide avec les femmes. Hein, puis... Il y a une déclaration pour moi? Oui, une déclaration d'amour, mademoiselle Vicky, juste pour vous. Voyons. Non, c'est sérieux. C'est rendu qu'il dort plus. Il mange comme un petit oiseau, puis... Hey, il dépérit à vue d'œil. Où est-ce qu'il est, là, Momo? Pas loin, il est ici à côté, là. Il attend la négociation que je vais avoir avec lui. Négocier? Mais négocier quoi? Oh, presque rien. Juste un petit rendez-vous, un contact intime. Non, il n'y en est pas question, là. Momo, on l'aime bien. Comme ça, sans histoire. Momo. Comme ça, sans histoire. Bonjour. Bonjour. Je pourrais peut-être aller voir une vue ensemble, manger du chinois. Momo, on va se comprendre. Il ne peut pas y avoir rien de sérieux entre nous deux. Ah? Oh? Quoi? Ben, c'est qu'on n'a rien en commun, vous et moi. Oui, mais plus on le connaît, plus on l'aime. On va rester des bons amis, des compagnons de travail, OK? Oui, mais c'est parce qu'il voudrait plus, mieux. C'est ça. Un peu plus, un peu mieux. Bon, j'ai du travail à faire, si vous voulez bien sortir, OK? Qu'est-ce que tu veux, moi? J'ai bien fait de mon possible, mais il n'y a plus rien à faire. Va me laisser crever. Chauffe. C'est bon. Ben voyons. Est-ce que notre Momo s'est frappé quelque part? En plein cœur, mademoiselle Louise. Son cœur saigne. Ben, oui, Vicky? À trône, dans le bureau de mademoiselle André. La dure, la cruelle créature. Va me laisser dépérir, sécher. Ouais. Ben, pour une fois qu'un homme pleure pour une femme, hein? Oh, vous. Allô, Louise. Bonjour. Notre Momo en question, est-ce qu'il est encore là? Oh oui, il râle à ta porte, beauté cruelle. Oh, Vicky, oui? Je suis venue te prévenir. Oui? J'attends un appel très important. Alors, si jamais quelqu'un te demande à parler à Reine d'une vie ou à Promesse de bonheur ou Solitude ouverte, tu me passeras l'appel en vitesse, OK? Puis, garde ça pour toi, hein? C'est secret. J'espère garder dans son bureau. Je pense qu'elle va là, monsieur. Vicky, allez me chercher Mademoiselle Chevalier, c'est urgent. Oh, mais voyons, je suis là, patron. Louise, voulez-vous sortir, s'il vous plaît? Vous savez, ça va être confidentiel. Ça me choque, ça me choque. Bonjour, patron. Faire urgent? Oui, et délicate. Oh. On a une réunion au sommet après dîner, André. Au sommet, nous deux? Oui, tenez-vous bien. Monsieur Jones s'en vient. Il est sur l'avion de Toronto-Montréal en ce moment. Oh, le président personne. Oui, alors il faudrait être clair, concis et précis dans nos réponses à ces questions, André. Très bien, comptez sur moi. Justement, parlez pas trop, hein. Vous vous connaissez avec votre sacrée franchise, André. Silence. Confiance règne, hein? Non, mais c'est un homme pressé, efficace, sobre. Alors, vos mémérages puis vos contournages des questions, c'est excellent pour les employés, mais pas pour le grand boss. Bon, très bien. À quelle heure exactement dois-je être belle et me taire? À 1h30 pile, soyez là à mes côtés. 1h30 pile. Oui, boss. J'en reviens pas. Pauvre Madame Leclerc. Ben oui, hein? Congédiée comme ça, dehors. Oh, un instant, je vous corrige, Louise. Suspendue pour quelques mois. Suspendue faute de travail. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas moi qui dirige la récession. En tout cas, là, je trouve pas ça correct, si vous voulez mon avis. S'il vous plaît, André. Non, mais c'est vrai, Marianne Leclerc faisait son travail à la perfection. André. Il faudrait vous abstenir de discuter mes décisions en présence des subalternes. C'est compris? Oui. En tout cas, je vous le dis, seul à seul, là. Hein? Il y a des employés ici, genre tablette, qui foutent rien, des grandes gueules inutiles. Calmez-vous un peu, c'est temporaire. On la reprendra un jour. L'économie va finir par se placer, vous pensez pas? Bon, en tout cas, je trouve ça lâche d'avoir congédié Marianne Leclerc. C'est vrai, je vous le dis en quatre yeux, là. Parce que la pauvre petite rousse restait toute seule dans son coin, qu'elle disait jamais un mot, puis au Claude, qu'est-ce qu'on fait? Bang, c'est elle qu'on frappe. Ben, je vous demanderai d'éviter ce langage-là devant Douglas Jones cet après-midi, OK? OK. En tout cas, moi, je trouve que c'est bien sa job.
Ah, tiens, Louise, qu'est-ce que tu lis? Pas un autre congédiement, toujours? Oh, non, 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 non. Non, ça annonce un spécial d'ouverture en bas à l'étage des boutiques. Mm. Hey, tiens-toi bien. Ils ont ouvert un salon de bronzage. Ah, ben, de toute façon, moi, ça ne m'intéresse pas. J'ai une peau qui brûle, je bronze pas, puis je fais des cloches, puis... Ah, là. Oh, ben, ça m'intéresse pas non plus. J'aurais assez peur d'aller me faire enfermer dans une cage de plastique comme aussi, ça. Moi aussi, je suis plutôt claustrophobe de nature, tu comprends? Je paniquerais là-dedans. Oui. Qu'est-ce que j'entends là, là? Ils ont ouvert un salon de bronzage, ici, en bas dans le building, ou oui? Entrée, t'accepterais pas d'aller te faire enfermer dans une machine électrique comme ça? Ben, pourquoi pas? Si le soleil vient pas à toi, tu vas au soleil. Ben, moi, j'irai certainement pas me faire rôtir dans un barbecue électronique. Non, merci. Oh, non, et moi non plus. Hey, pense-y, André, là. Mm-hmm. Un réglage mal fait, puis tu pourrais sortir noir, toasté sur les deux côtés. Ouais, on peut. Moi, ça m'intéresse, l'été en hiver. André, c'est pour toi. Ah, je vais prendre dans mon bureau. D'accord. Okay. C'est Marianne Leclerc en larmes. Oh non. Oh. Allô, oui? Madame Leclerc? Ah, oui. Oui, oui. Mais oui, je sais, je regrette beaucoup cette suspension-là, oui. Oh, non, je sais pas, malheureusement. Vous savez, je sais pas tout ici, hein? Bon. Bon, d'accord. Bougez pas. Bougez pas, je vais lui demander. OK? Monsieur Cadieu? Patron? Monsieur Cadieu? Oui, oui. Oui. C'est Marianne Leclerc. Elle fait demander combien de temps va durer sa suspension. Elle veut savoir si ça va durer deux mois, six mois, un an. Je la sais dessus, moi. Alors? Écoutez un peu, écoutez un peu. Dites-lui, quand ça va se replacer aux États-Unis, oui. Ça sera six mois après ici. Oui. Madame Leclerc, Monsieur Cadieu fait dire que ça peut durer six mois, peut-être davantage, vous savez, quand la situation économique va se rétablir. C'est... Attention. Un instant, s'il vous plaît. Oui. Pas de promesses, là. Pas de faux espoirs. Faites attention. Non, elle branle comme un veau. La pauvre petite fille, vous lui dire quelque chose. Vous voulez quelque chose? Dites-lui, tout vient à point à qui c'est attendre. Hey, c'est pas mal bête, ça. Je pas pourri dire ça, pauvre petite. Lui vous-même, vous. Oh. Madame Leclerc, là, calmez-vous un peu, là. Oui, calmez-vous. Écoutez-moi bien, là. Tout vient à point à qui c'est attendre. Oui, Madame Leclerc? Allô? Allô? À raccrocher. J'aurais fait pareil. Qu'est-ce que tu me voulais? Hey, écoute, Momo, tu vois ce que j'ai dans les mains, là? Puis tu vois ce qu'il y a sur la table? Écoute, tu vises trop haut, Momo. Vicky, c'est pas de notre âme. Bon, elle, elle se prend pour Rachel Welch. Elle va y arranger son affaire, elle, puis tu vas oublier ça. Non, 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 si je pourrais jamais, je l'ai dans la peau. Chaque fois que je passe devant elle, j'ai le cœur qui s'embraye. Hey, arrête un peu, là, puis mets-toi au neutre. Écoute comme faut. Il me semble que si on pouvait rédiger juste une petite annonce puis faire paraître ça dans le journal, je sais pas, marquer comme... Écoute bien ça. Fais pas, moi, jeune homme en très bonne santé, habile de ses deux mains, jamais malade. Ça, c'est normal, que t'es pas malade, t'es en santé. Cherche compagne, enjouée, gay. Saint-Snap, là, Saint-Snap. Je suis pas infirmier. Tu vas m'attirer une malade. Puis mon idéal, c'est Vicky Champagne. À moins que. Je sais pas, marqué bel homme, en grande forme. Bon, énerve-toi pas. Faut mentir un peu. Cherche belle grande blonde, affectueuse, joyeuse, l'aideronne s'abstenir. Non, non, pas d'affaire. Je n'ai pas envie de répondre au téléphone des soirs et temps. Des inconnus, ça me gênerait. À moins qu'on mette juste un numéro et puis que le journal nous retourne les réponses. Mais là, faudrait savoir quoi mettre au bout de la ligne. Parce qu'oublie pas, là, on est en pêche, là. Ah, peut-être... Pauvre diable, désespéré et déçu, veut combler un grand vide
car il sort d'un choc terrible. Arrête donc, Momo, écoute. Faut tricher, faut mentir, on joue le gros jeu. Bon, arrête. Je me sens comme une viande dans la vitrine chez le boucher. Momo. Salut. Reviens, c'est Momo. Voyons, non, t'es capable. Fais donc confiance. Espèce d'imbécile. Bon, ben, j'y vais, les filles. Ça y est, là, t'es décidée. Oui, j'ai besoin de me calmer les nerfs au soleil électrique. Vous êtes plus braves que moi, ceux qui vont là-dedans. Bon, j'ai pris une petite bouchée, me laisse une petite heure. Je vais être de retour vers 1h30 pour la rencontre au sommet avec le président Jones. Oh, André, va donc pas là. S'il fallait que ça explose. Hey, on sait jamais, c'est une bombe, une machine comme ça. C'est donc pas prudent. Et que vous êtes peureuse. Bon, ben salut les petits visages pâles, les petites peaux blanches. Comme dirait M. Cadieux, avec qui j'espère que vous recevrez dignement notre président à son arrivée, hein? Hey, c'est qui ça, Mme Chevalier? C'est moi, monsieur. Vous êtes monsieur? Je suis le mari de Marianne Leclerc que vous avez slaqué un peu trop vite. Bon, vous passez à mon bureau, on va être plus tranquille. Vraiment. Il y a des limites, hein, à agir en sauvage. Ma femme, elle peut pas se défendre parce qu'elle est pas forte en gueule, elle. Mais on peut y faire y passer n'importe quoi. Non, monsieur, où c'est qu'il est, votre boss Cadieux, m'a y parlé, moi. Écoutez, c'est inutile, monsieur. J'ai protesté moi-même auprès de monsieur Cadieux. Vous savez ce que c'est la crise un peu partout, les coupures budgétaires. Vous savez ce que c'est? Asseyez-vous, je vous en prie, asseyez-vous. Ça m'écoeure, OK? Ça m'écoeure parce que moi, j'ai trois enfants à faire vivre. Vous avez des enfants, vous? Non, j'ai pas d'enfants. Je suis célibataire. Ça coûte les yeux de la tête. Hein? On a besoin de nos deux salaires. On peut pas arriver à boucler notre budget rien qu'avec mon petit salaire de technicien. Je vous comprends, M. Leclerc. J'estimais beaucoup votre femme. Vous savez, c'est une femme extrêmement travailleuse. Mais M. Cadieux... Il m'a dit pédale à la face, lui. Hein? Où c'est qu'il est, le président pas de cœur de cette compagnie-là? C'est inutile. Il est parti à son heure de lunch. Il n'est pas là. Asseyez-vous. Asseyez-vous, je vous en prie. C'est dur de joindre les deux bouts. Hein? Nous autres, le monde ordinaire, hein? On nous joue comme des pions à la loterie. Et ça va être long, là, la suspension à ma femme. Oh, écoutez, je le sais pas. Ouais. Je sais pas trop. Ouais, on pourra pas durer bien ben longtemps, nous autres. Je suis plein de dettes, moi, de maisons, d'ameublement, tout. Je sais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, M. Leclerc? D'où vient ta pointe à qui c'est attendre, hein? Je la connais, cette chanson-là, OK? Je la connais. Je vais revenir, je la retrouverai bien, votre boss Cadieux, moi. Je suis pas pressé. Salut! Vous allez voir, c'est un appareil tout simple, au fond. Une jolie petite cage. Vous n'avez qu'à vous allonger, c'est reposant et bienveillant. Une sieste au soleil. Ah bon? Artificielle, bien entendu. Oui, oui, oui. Mais mes compagnes m'ont fait peur un petit peu. Il n'y a pas de danger, le jour. Oh, ben non, ça a été approuvé par le gouvernement. Ça a été testé, vous pensez bien. Ah bon? Je ne sortirai pas de là cuite comme un petit poulet barbecue. Ben non, c'est une mécanique très sophistiquée. Vous voyez, vous n'avez qu'à presser le bouton et ça s'ouvre automatiquement. Ah bon, oui. Vous êtes rassurée, là? Oui, ça va. Puis si jamais ça sentait le brûler, ben je viendrai aussitôt vous délivrer. Voyons. Ben, je vous taquine. Bon, ben je vais m'installer hein, parce qu'il faut que je sois au bureau pour 1h30. Ah, c'est ça. Mettez ça pendant la cuisson pour protéger vos yeux. Ne craignez pas. Hey, salut, mon petit frère. Excuse-moi, hein, parce que j'ai eu un corps. Il y avait un sprinkler qui a fait défaut dans la salle de conférence du 25e. Tu voulais pas me parler encore de mettre une annonce? Non, mon petit frère. Mieux que ça. Alors, regarde ce que j'ai trouvé. Hey, c'est incroyable. Là-dedans, mon garçon, c'est toi qui fouilles dans le tas. Et tu devras voir tous les annonces qu'il y a là-dedans, mon garçon. Il y en a de tout genre. Hey, je te dis que c'est pas des pilotes. Attends un peu que je te lis ça. C'est extraordinaire. Hey, écoute ça. Célibataire bien gay, hétéro s'abstenir. Ben, question. Excuse, excuse. Écoute, partenaire enjoué blonde qui aime les petits bruns peut aider un cœur timide et meurtri. Momo, c'est tout craché pour toi. Ben non, pas sérieux, ce numéro-là. Je suis du genre sentimental, mais Gaston, tu me connais, je suis romanesque. Attends. Tiens, écoute ça. Petite blonde grassouillette ouverte pour la formation d'un couple romanesque. Hey, romanesque, Momo. Feu veut pas, ça loge la coche. Je pourrais pas fonctionner. J'ai le cœur en charpie.
Mon cœur est pris. Momo, tu vas écrire avec ton corps, puis le cœur suivra. Gaston, merci. J'apprécie tes efforts, mais c'est inutile. Là, Gaston, faut que je me rende au pont Jacques-Cartier. Momo, va pas être fou. La fleuve est gelée, tu vas te courser le cou. C'est que je dois acheter une valve au magasin en dessous du pont. Tu m'en fais peur. Vas-y, l'acheter ta valve, Momo. Ça va changer les idées. Ah, c'est chaud. Ça va faire, là, pour la première fois, là. Bon, je vais faire lever ça. Mais, voyons, ça n'est pas... Voyons. Mademoiselle! Mademoiselle! Au secours! Au secours, je suis restée! C'est pris, ça n'est pas! Oh non, non, calmez-vous, j'ai un bouton d'urgence. C'est-tu? Ça marche pas. Bougez pas, là, je vais revenir. Oh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens pour que je retourne au bureau pour une heure et demie. Voyons donc, faut sortir. Oh mon Dieu, sortez-moi d'ici, j'ai... Excusez-moi, c'est rien, c'est une petite panne. Des résistances ont brûlé dans le panneau central. Faites-vous en pas, monsieur le chevalier, je vais revenir. Mais oui, oh mon Dieu, faut que je retourne au bureau. Apportez-moi un téléphone, vite, protège le téléphone, vite, c'est pas vrai. Oui, excuse, là, on va téléphoner à un technicien. Oui. Oh mon Dieu, vous voudrez téléphoner aux frères Lachance. Oui. Ils sont très, très, très habiles. En maintenance? Oui, oui, c'est ça, la maintenance. Mais je connais. Un bon, instant. Vous connaissez le numéro? Mais pensez-le après. Oui. Oh, tu peux pas rester ici. Ça va, là? Oh, mon Dieu. Hé, hey, fais attention, hein, Momo. C'est bête, pareil. Bon, on est arrivé devant l'ascenseur. Êtes-vous correct, mademoiselle André? Ben oui, je suis correct, là. Hein? Sous le dos. Dépêchez-vous, il faut que je sois au bureau. Hein? Hey, je vous dis, mademoiselle André, là, ça valait pas 10 000 tomates, ça. Fait longtemps que je vous aurais ouvert ça avec un gros bord. Regardez pas, vous, là. Ah oui, non, j'ai rien vu, ce qu'il faut pas voir. On y a glissé une serviette par la fente, crains pas. Oui, c'est une grande serviette, même des barbouillettes. Ça cache tout, ça. Hey, laissez pas les commentaires, là. L'ascenseur est-tu là? Inquiétez-vous pas, vous allez voir le boss de Toronto. Je pourrais peut-être pas le voir, mais on va pouvoir l'entendre, par exemple. Ah, ça fait exprès, Saint-Snap. Oh, mon Dieu! Mon Dieu! Ça grille-tu toujours? Mais non, c'est pas ça. J'ai oublié mon sac à main dans le salon de bronzage avec mon argent dedans. J'y vais, là. Je reviens tout de suite. Oh, c'est fait. Tiens, arrive l'ascenseur, vous allez. Ah, ben, mon Dieu, même cachemire. Donnez-moi un coup de main, vous. Bon. Ah oui, fais ça vite, dépêche-toi! Trop tard, hein? Elle est partie! Ah oui! Seul! Faut la poignée en quelque part! Ah oui, on prend l'escalier de secours! Dépêche-toi! On monte, là? On monte-tu, là? Demandez-moi, coudonc, monte-tu, oui ou non? Oh, je pense que je vais faire un infarctus! Mr. Cadieux is just a little en retard, Monsieur Jones. It will be not too long, I hope. More sugar in your coffee? I hope nothing bad has happened to Mr. Cadieux, eh? More milk? Enough? A new sunshine machine, oui. Salon of bronzing is installed down near the terrace. Maybe, no, perhaps, Miss Chevalier have forgotten the hour under the sunshine? Huh? S'il vous plaît, parlez français. Votre anglais est abominable. Bon, très bien. Pour nous dire que j'ai fait mon jogging pour rien en venir, moi. Oh, alors, sinon, je vais checker l'ascenseur. Bouge pas, je reviens. Hey, je pense que c'est pire que l'oratoire Saint-Joseph quand j'étais petit. Après, c'est fini, là. J'ai le toit, la coiffure. Hey, emmène-moi pas là parce que je me jette en bas. Je peux pas croire, vous m'avez perdu un morceau de 12 000 $. Il y avait que mademoiselle André dedans. Votre machine n'a pas de prix, madame. Bonjour. Bonjour. Je travaille pour la moving. On a déménagé un étage au complet, puis rendu à l'entrepôt, on a découvert un morceau. Ma machine à bronzer! Le retour de l'enfant prodigue. Hey, je vous l'ai dit, on s'en a pour rien. T'as quelqu'un là-dedans? Ben oui. Quand on déménage, ça mène du train. Hey, êtes-vous toujours là, mademoiselle André? Attendez que je sorte d'ici, vous autres, mes deux talents, vous allez avoir la c'est rien, c'est les nerfs. Ah, bien, non, Momo. Les émotions, ça me sèche la gorge. rentrez
Mets-la dans la cabine d'à côté, délicatement. On l'a barbassé pas mal, dans le brouhaha. Hein. Pauvre elle! Aidez-moi à sortir d'ici vite. Le boss doit m'attendre. Comment il est enragé, là? Mais je sais pas. J'étais emprisonnée comme vous, moi. Ah. Calme, monsieur Cadieux. Le technicien vient d'arriver. Bon. Oui. Calmez-vous, monsieur Cadieux. Le technicien est là. Oui, votre cauchemar achève. Oui, il va réparer le panneau. Les fusibles étaient grillés. Ah bon? Je vais voir. Devant le président, puis regardez-moi. Oui, montrez donc. Non, oh, mon pas. Dieu, vous êtes rouge. Non, non, je regarde pas. J'ai rien vu, je vous le dis, là. Bon. Alors, moi, je vais y aller, OK, là? Non, 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 je vais monter. Mais voyons donc, vous. Mais monsieur Cadieux, Momo, j'ai trouvé de quoi pour ton petit cœur douloureux. Avec les escaliers, c'est l'estomac qui était douloureux. Voyons, la peine d'amour, je mange. Oui, Momo, tant mieux. Parce que là, j'ai mieux que ça, que la correspondance par numéro. On a un numéro de téléphone direct là-dedans. Je te dis qu'il y en a une qui avait l'air pressée. Elle a mis son annonce 3 fois dans le même journal. C'est signé promesse de bonheur. Écoute ça. Jeune femme souhaite du romantisme dans sa vie, ne veut plus vivre que pour le sentiment. Momo, m'écoutes-tu? Mm-hmm. Bon. Cherche un cœur mort, les romanesques. Momo, viens téléphoner. C'est ta chance. Écoute. Je sais pas. Penses-tu? Une inconnue complète, mais ça me gêne. Vous direz à Cadieux et à M. Chevalier, demain, à midi, dans mon office, à Toronto! Yes, oui, on va leur dire, Mr. Jones. Oh, j'ai l'impression qu'ils sont pas sortis du bois. Oui? Excusez-moi, est-ce que je pourrais parler à Promesse de bonheur, s'il vous plaît? À qui? Promesse de bonheur. Hey, c'est pour moi, c'est pour moi. Allô, oui? Oui, ici Promesse de bonheur, oui. Oui, je vous écoute. C'est une voix que je connais, ce Gaston. Ah ouais, t'es capable. Qui est-ce qui parle? Qu'est-ce que c'est votre nom? Mon nom est Louise Paquette. Est-ce que vous pouvez me dire le vôtre, cher monsieur? Il a raccroché. Ça me choque! Je suis désolée, c'est un accident. Non, mais c'est correct. Ça va. Bon, bien, M. Cadieux, là, je vais vous laisser passer, puis je vais monter, puis je vais prendre des devants, OK? Mais pourquoi le technicien vous a délivré avant moi, hein? Parce que vous êtes une femme, je suppose. Oh, non, c'est parce que le technicien, c'est le mari de Marianne Leclerc. Et puis après, qu'il soit le mari d'Elizabeth Taylor ou de Marianne. Marianne Leclerc. Ben oui, vous savez, la petite Marianne Leclerc, là, vous savez, la petite rousse qui est toujours dans son coin, qui dit jamais un mot plus haut que l'autre, là, que vous avez congédié. Il va revenir quand? Dans 2 heures, dans 2 jours, quand? Ah, je sais pas, il est allé chercher un outil, il avait oublié un outil, et puis il a laissé un beau message pour vous. Un message, pourquoi? Il a dit, tout vient à point à qui c'est à temps. C'est fait, hein?